Salut, mon setup est un petit peu différent d'habitude parce que mon setup est jamais pareil, mais là c'est parce que je suis chez nous et j'ai pas mes lumières puis mes lunettes sont sales. Fait que allons-y. Bienvenue dans les aventures de Zoé. Récemment, j'ai commandé quelque chose et c'est la semaine passée que je l'ai reçu. C'est ça. Une boîte noire. Il me reste pas juste la boîte. En dedans, il y a un stabilisateur. Le Zion Crane Plus, qui est la nouvelle version du V2. Ce stabilisateur-là change la donne. Non pas au niveau des stabilisateurs en général, oui parce qu'il est pas cher et il y a toutes les fonctionnalités d'un stabilisateur vraiment plus cool. Et by the way, je suis pas payé par Zion pour vous dire tout ça, c'est juste que je l'ai reçu, j'aime leur produit, puis c'est cool. Fait que, voilà. J'étais allé faire des vidéos avec aussitôt que je l'ai reçu, des vidéos pas nécessairement destinées à ma chaîne, mais des vidéos pour apprendre à l'utiliser. Surprenamment, c'est plus difficile que je pensais, mais resurprenamment, c'est la seule chose pour laquelle les jeux vidéo m'ont été utiles. Parce qu'un petit joystick, puis c'était genre comme jouer à Call of Duty, genre, ou à des jeux avec des avions, là, c'est la même affaire. Fait que, font une de ces vidéos-là, c'est d'aller avec Zoé dans une maison délabrée. On voulait aller là, puis faire comme si c'était une maison hantée, puis c'était full wouhou. Mais, vous allez voir après, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais en gros, c'est d'aller filmer avec Zoé un vlog. J'allais l'aider, tout ça, puis moi, après ça, j'allais donner mon point de vue plus de stabilisateur et tout ça. Ce point de vue plus de stabilisateur et tout ça, c'est ce que vous voyez en ce moment. Je vous le fais, je vous le donne, c'est ça. Donc, juste avant, pour que cette vidéo aussi fasse du sens, vous devriez avoir vu la vidéo de Zoé, parce que j'y fais beaucoup référence, puis ma vidéo est un peu construite autour de la sienne, donc vous allez la voir, le lien est juste ici. Yo, mais qu'est-ce que tu fais? Mais là, je prépare le stabilisateur pour qu'on aille des shots bien clairs de choses hantées. Bien, bien stables. Tu penses qu'on va avoir des fantômes? Je sais pas, mais s'il y en a, ils vont être clean. Ça va être clean. L'affaire avec Zoé, c'est qu'elle est habituée de faire des vlogs, puis de faire ses affaires, puis de dire, puis de parler, puis d'avoir de l'air naturel. Moi? Je suis pas capable de faire ça. Nous, on est rentrés, j'ai eu la chienne parce que je suis une mauviette. Ah. Puis, après ça, elle dit, OK, on va le refaire, mais on refait comme t'as fait. Check. J'étais allé en théâtre, moi, OK? J'ai fait du théâtre pendant plusieurs années. Je pense que je suis un bon acteur. Non! Je suis un bon acteur pour caricaturer des personnes, des personnages, mais je suis pourri pour avoir de l'air naturel. Dans le fond, dans les prochains clips, vous allez voir de quoi je parle, OK? Parce que quand on est rentré le premier coup, j'ai vraiment eu peur, puis c'était tout authentique ce que j'ai fait. Zoé m'a dit, OK, on le refait. On refait pareil. J'ai essayé. Regardez ce que ça donnait. Mais c'est sûr qu'il y a des squats. La porte vient de fermer. Fait noir. Ah, une chance, hein? Non! J'ai comme pas assumé le fait que je voulais avoir de l'air naturel, pis j'ai comme pas exagéré assez pour que ça a l'air d'un personnage. Fait que ça a juste donné un entre-deux de schnout. On a un mauvais court-métrage! C'est genre, oh non! Il fait noir! Dans le fond, moi, quand je fais des vlogs, je fais des niaiseries, je fais des personnages. Ils sont pas pendant tout prévu, mais au moins, j'ai mon petit personnage en tête et je peux faire des niaiseries. Là, j'ai essayé d'être naturel parce que c'est un petit peu ça, la vidéo. Puis, vous allez voir, j'ai juste fait des interventions complètement inutiles puis tellement pas intéressantes, là. C'est qui, un foyer, par exemple? Ben, c'est tout. Ouais, j'allais juste dropper des faits pas intéressants de maison, genre, du temps, du temps qu'il y a plus de froid. Oh, il fait chaud. Putain, les petites chaises. Ah, oh. Ah, man, ça prend dans la gorge. C'est ce que tu penses, hein? Tu viens d'aspirer un fantôme. À quel point est-ce qu'il faut être pourri pour parler de chaises? Moi, mon intervention rentra dans un garage. Étrange, c'est « Oh, regarde les petites chaises! » Étant donné que j'étais vraiment malaisant, puis je disais des interventions pas intéressantes comme... Quoi, il y a un drap qui est accroché sur le mur? Ben, on a décidé de faire autre chose. On a décidé de filmer des choses cinématiques, filmer des scènes random, mais ultra cinématiques, ultra le fun. Je viens de voir que depuis le début, j'avais genre des petits cheveux qui sortaient ici, fait que là, on va l'assumer. On va avoir de l'air de Kid Paddle. Puis on trouvait l'inspiration sur le moment, genre quand ça arrivait, parce qu'on n'était jamais allé là avant. Puis c'était vraiment sur le moment qu'on a dit « Oh, on va faire ce shot-là, oh, on va faire ce shot-là. » Je vous laisse regarder. Ok, on s'est tellement trouvé des trucs à faire pour de vrai. Ok, en fait, je vais faire plus zoomer. Ok, ouais.
à toi qui est ici comme ça, là. Puis que oh, ça soit juste comme un hero shot un peu, là. Mm-hmm. Puis que ça vienne de bas, puis là, ça passe. Puis ça te voit. Behind the scene de la scène de courage de Parham. Caméra de Parham. Ok, il faut que ça soit plus zoomé, ça. Ok, ouais. Ok. On achète des jambes, c'est cool. Étant donné que je suis une grosse mauviette, ben ça a été vraiment drôle de visiter tout ça parce que moi je suis en arrière, j'avais la caméra dans les mains. Puis ce qui est le fun avec le stabilisateur, c'est que même si je shakais parce que j'avais peur, ça paraissait pas dans la vidéo. Ce que vous savez pas, c'est que moi je trippe sur ces affaires-là, qui est tout qu'est-ce qui est film d'horreur, maison hantée, tout qu'est-ce qui est en lien avec ça, mais comme Mick derrière la cave, il freak sa vie en ce moment. Toutes ces shots-là, là, j'aurais pas vraiment pu les faire sans le stabilisateur. Oui, à un certain niveau, mais des shots que j'aurais juste pas pu faire sans le stabilisateur. Par exemple, celui où ce que Zoé a court. Ce shot-là, il est fantastique. It's a money shot! Mais j'aurais pas pu le faire sans le stabilisateur. Puis, ça ajoute vraiment une dimension de plus aux vidéos. Ça l'amène de quoi de complètement différent que je trouve fantastique puis utile. Mais faut pas trop que je l'utilise non plus. Mais par exemple, dans ce contexte-là, moi, je trouve que c'était fantastique. Puis, ça m'a donné vraiment une chance d'essayer mon nouveau joujou. Je le contrôle pas encore très très bien, le stabilisateur, comme vous allez pu voir. Ah, tourne! Tourne! Ah, tourne! Dans le fond, ce qui était prévu, c'est que Zoé fasse plus sa vidéo style aventure, exploration et tout ça. Puis moi, je me concentre plus sur behind the scenes, comment qu'on a filmé les scènes et tout le tralala. Sauf que l'exploration était pas tant fantastique que ça à cause de mes interventions super fantastiques puis super pertinentes. Attends, c'est quoi le mot? S'il vous plaît, ne pas toucher la plomberie. Ben, je pense que ça n'a pas été respecté. Puis aussi que ça faisait pas tant peur que ça. Attention! J'ai que c'était quoi, là? Ah! What the fuck? La gêne. Ah, on est plus peur. Oh, ah, vous? Ah, c'est plat. Je suis finalement. Non. Dans le fond, on aurait dû aller filmer la première fois qu'on est rentré parce qu'on est allé visiter un peu avant, puis ça nous a gâché le punch, puis moi, j'ai pas pu acte pareil que j'avais acté. En tout cas, fait qu'elle, elle a mis un petit peu plus de behind the scenes dans sa vidéo pour rendre l'histoire plus intéressante. Puis moi, ben, j'ai rajouté le pourquoi l'exploration était pas tant intéressante avec mes faits super intéressants. Ah, oh, galette pleine, gaspillage. Galette pleine. Ce qu'on a décidé de faire avec toutes les séquences cinématiques, c'est que chacun de notre côté, on allait faire une petite histoire, on allait monter une petite séquence sans se consulter, sans que l'autre voit ce que l'autre a fait. Puis après ça, on allait comparer. Fait que dans le fond, sur sa vidéo, ben c'est à la fin. Vous allez voir, toute sa séquence est là. Puis moi, ma vidéo, c'est dans quelques secondes que je vais vous la montrer. Vous allez pouvoir comparer. Et allons-y! Thank you.
juste un petit easter egg de cette vidéo-là. J'ai monté ça la journée même parce que j'aime ça monter ça la journée même pour avoir la petite satisfaction de genre « Ah, j'ai fait ça, c'est cool. » Puis j'ai fait l'erreur de le monter le soir. Puis je me suis fait peur en le filmant. C'est peut-être juste parce que j'étais une mauviette, peut-être que vous avez juste pas eu peur pas en tout. Mais moi, j'ai eu peur en le montant. J'étais comme « Fait que ben c'est ça, c'était ma création avec les séquences cinématiques qu'on a filmées avec Zoé dans notre exploration de la maison délabrée. Que juste vous dire un petit heads up, on connaît les personnes qui ont acheté la maison, ils l'ont acheté pour la détruire puis reconstruire par-dessus. Fait qu'on n'est pas rentré par infraction, tout est legit. Fait que, ben c'est ça, la fois dernière, ça fait un gros props à Zoé d'avoir trouvé l'idée puis d'avoir organisé ça. Parce que c'était super cool comme aventure, puis ben... on a power through dans poussière pis dans un chenoute pour avoir des shots cinématiques, fait que good job! Petité pis la vieille maison là, c'est, ça on va est plus capable de respirer. Non. On a get the shot pis on va remonter. Ouais. Wow. Yes. Pis allez voir sa chaîne, ça vaut la peine, c'est des vlogs super cool, c'est une excellente actrice, et... ma phrase est finie. Vous voyez comment j'ai pas d'air naturel, comment je suis pas capable de juste parler normalement? Allez voir sa chaîne, c'était nice, on se revoit la semaine prochaine. Oui, parce que je vais poster la semaine prochaine. Oh!